Ivan Gaevic pour Guitar Extreme Magazine. 1980, la tornade Trust déferle sur la France avec son deuxième album Répression, album qui se vendra à plusieurs millions d'exemplaires. Dans cet album, un titre qui va devenir emblématique du groupe, Antisocial. Un riff imparable, des paroles implacables, un solo qui met le feu, joué par Norbert Krief dit Nono. Et je suis très content de vous proposer ce solo aujourd'hui parce que cet album a été important pour moi. Trust et Nono font partie de mes premières influences de musicien, donc voilà, je vous montre ça tout de suite. C'est un solo qui tourne essentiellement autour de la gamme de ré mineur pentatonique. On a une petite incursion en ré mineur blues avec ce chromatisme et une autre petite incursion en mode dorien avec ce si qui va être joué à un moment donné du solo. Phrase numéro 1, descente de vibrato. Donc on dive tout simplement, on part du la à vide et on descend en gros jusqu'au fa dièse, on n'est pas à quelques millimètres de quart de ton pour ça. Et donc on revient sur le do. La. Do. Premier plan sur la gamme mineure pentatonique. Donc double stop avec un bend sur une seule corde. La difficulté c'est ça, on plante bien ce doigt. Le deuxième pousse. Gros vibrato, alors pas mécanique mais manuel cette fois. Tout le long du solo, on retrouve des vibratos très prononcés. On continue. Encore un double stop. Cette fois, ce sont les deux cordes qui vont faire le bend. Alors c'est un bend assez léger. Enfin, puissant mais léger en termes de montée. C'est vraiment pour avoir de l'expression. Fameux mode dorien, on le retrouve ici justement. Le si qui va être poussé en do. Saut de corde. La descente, cette fois, cette fameuse gamme blues. Plan très très blues, pentatonique, hein. On pousse. On attaque la partie rapide du solo. Donc là, c'est la partie avec le travail en pull-off. Une phrase qu'on retrouve 4 fois, je crois. La fameuse descente, alors cette fois descente en triolet, donc ça va assez vite quand même, je crois que le tempo du morceau était aux alentours de 180, donc triolet à 180, ça commence à faire un peu de gymnastique, sinon le principe est assez simple. On descend la gamme 3 notes, on revient d'une note, on descend 3 notes, ainsi de suite, je vous montre ça. Ce vibrato très important. Sur la fin de la descente, c'est un tout petit peu confus parce que ça s'accélère un petit poil, donc on rentre dedans très fort, quoi. C'est Trust, hein. On n'est pas là non plus pour rigoler. Ensuite, le plan de fin, très simple.
très rythmique pour le coup, c'est plus un riff qu'un plan solo. Un petit accord de quarte, soutenu par le ré. Et on rejoint la rythmique. Et le riff repart. J'espère que ce solo vous a plu. Je remercie Guitare Extrême encore une fois et je vous dis à bientôt.